Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo de gameplay. Alors, étant donné que je ne sais pas trop quoi faire, on va dire ça comme ça, en vidéo gameplay, parce que en fait, je m'occupe principalement en fait de ma quête d'événements. Voilà, donc j'ai fini l'incollectable à 100%, hein, sans zéro difficulté, même si dans une vidéo j'ai fait une réa, bah, c'était la seule réa de toute la quête. Incroyable, mais voilà, la réalité pour vous. Donc voilà, je vais monter ça tranquillement. Et puis après, quand je fais ça, moi je fais un passage dans l'héroïque. Ça me suffit, hein, mais en soi, même si les récompenses, voilà, c'est pas. Ouais, j'ai pas. Ça me tente pas plus. Donc du coup, je pense qu'après avoir fait ça, je me consacrerai sur l'acte 6 ou avoir la variante, hein, qui va arriver bientôt. Ou qui est peut-être déjà arrivée en fonction de quand est-ce que je posterai la vidéo. Du coup, pour ce faire, nous allons faire la petite quête spéciale au labo. Donc, à chaque fois quand je le fais seul, dans mon coin, pépère et tout, j'ai jamais aucun problème. C'est des trucs qui sont assez simples. Et quand je le fais en vidéo, c'est tout de suite plus différent. Alors, il y a. Alors, on peut prendre comme ça. Hein, avec, y a, comme il y a Reluc, ça ferait une stratégie peut-être avec les deux, je pense. À voir, on peut tester comme ça. Et du coup, on va prendre Ghost, hein, une petite sécurité quand même. Voilà. On peut partir sur une compo comme ça, ça peut être pas mal. À voir ce que ça va donner. À voir, à voir, à voir. Du coup, on va partir de quel côté? Alors, pas grand-chose, hein. Armure à pointe. Ok. Des charges, une incinération ou plasma. D'accord. Mais pas dégénérescence. Voilà, magnifique Oméga. Putain, il est bien, il est bien. Il est bien. J'ai fait le café. Hein. Il est quand même 100, il est quand même 100 000 PV. Hein. Je veux juste dire ça comme ça. Juste. Voilà. Alors, bah du coup, je pense qu'on va repartir avec lui. Hein. Finalement, l'armure à pointe a fait quasiment zéro dégâts. Hein. Alors, ça, c'est bien parce que là, lui, il va régène. Mais. À l'inverse. Ouais, du coup, il est dans la merde là. Allez, un enseignement, même pas. Même pas un enseignement. On va faire un petit P3, je pense. Pour régénérer un petit peu. Alors, truc tout bête, mais vous savez, la barre de pouvoir du P3, à force, on fait beaucoup de 20% à force d'utiliser. Voilà, j'ai remarqué ça hier quand j'ai renouvelé tranquillement chez moi et tout. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas. Ouais, c'est une grosse connerie ce que j'ai fait. Hein. C'est qu'il y a une version de régène. Comme régène. Là, franchement, il est super. Il fait vraiment super mal. Super mal. J'ai un peu chié là, sur ma régène. Et sur le coup, je me suis pris, mais il fait vraiment super mal. Gain de pouvoir. Alors là, il va être relou. Lui. Les gentils ne gagnent pas de pouvoir. Qui est méchant ici? Je sais plus qui est méchant, moi. Mais il n'y a pas de gens qui ont mis des raids. On
peu avec Ghost, on verra bien. Il y a une borne qu'ils mettent aussi là-dedans où genre ils te mettent des incinérations. Alors là, avec Ghost, en 7 coups tu tues le combat, en 7 coups t'enlèves 120 000 PV. Incroyable. Alors, coup. Prochain buff permanent. Bon, il va être chiant, une classe surtout avec la santé, j'ai pas forcément. Ouais, bah non, toujours pas. Enfin, si j'aurais pu y aller avec Omega Red, du coup, pour le coup. Après, une barre de pouvoir, fléau. On va y aller comme ça. Très bien. Du coup, on va faire que du spé, donc du coup, on va se régénérer. Il est toujours en vie, je dirais pas que c'était un combat magnifique, hein. On va pas vous le cacher. C'est pas qu'on a eu le combat du siècle, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Ouais, c'est quoi? On va s'abuser encore avec notre. D'accord, ouais, on peut pas avec lui. Mais il est peut-être avec lui. Non, ça vient quand même. Un jour, mon pote, tu. On va avoir fait le premier tour sans grande difficulté. Hein. Et à la fin, on a une petite Scarlet Witch. Alors, toujours avec le 1%. Enfin, j'ai pas de truc qui empêche la régène. Voilà, c'est très bien ça. C'est très bien. On aura tout fait avec deux persos. Parfait,
Parfait, parfait, parfait. Hop. Second round, let's go. Alors, faut savoir que Thor, il est buggé avec Ghost. J'ai refait, je l'ai re-eu là-dedans et il est buggé. C'est-à-dire que de temps en temps, vous mettez un coup qu'il traverse et il ne touche pas. Alors clairement, il est censé le toucher. Alors, ok. Ok. Et voilà, donc j'en suis rendu compte parce que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, il voulait vraiment, c'était toujours la même chose. Et donc il est buggé. Donc c'est chiant. Alors ce qui est bien avec cette bande là, c'est que comme le gars doit être collé à lui, bah. Un massacre. Un massacre. Ouais, j'ai pas envie de m'emmerder, honnêtement. J'ai pas envie de m'emmerder. Intéressant. On va le faire comme gars. Même si à la finale Mocap, en soi je serais allé Ghost. Hein. Clairement, si vous voulez vraiment faire la sécurité, je serais allé avec Ghost. Mais j'ai vraiment envie de me. Voilà. Pas de SP1. C'était de la mine. Allez, hop. Alors ça, faut savoir quand même que mes gars, je le jouais pas vraiment avant. Ah, ça va être chiant ça. Enfin, plutôt comme ça. Avant mes gars, je jouais pas des masses. Voire même quasiment pas. Hein. Mon pouvoir, salaud. Iron Man. Même pouvoir, ouais, on peut faire, ça peut gérer comme une arène, du coup, parce que du coup, on pourra l'avoir avec les debuffs. C'est bien, on le teste vraiment sous. Ah, en plus, il est deux. Pourquoi ça pas parade? Sérieux. Pourquoi ça a pas parade? Le perso était totalement inerte.
C'était vraiment pas une bonne compliquée. Hein. Mais ouais. Dommage, dommage. Dommage, c'est énervé. Alors. Ouais. Je sais pas, je change match up relou là. C'est ma barre qui prend. Je sais comment faire. Hop, elle a pris des petits dégâts, mais au moins elle a tué rapidement quoi. Parce que ça sentait vraiment le match-up relou. Agent Venom pour finir. Transfert vital, coup. Buff, ouais, ça c'est chiant, ça le buff. Hein. Bon. Ouais. Ça devrait passer facilement, je pense. Non plus qu'on va pouvoir se régénérer. Bon, on aura fini le petit run, 20 minutes, très rapide. Hein. Cette fois, on a fait beaucoup plus court que la dernière fois, je crois, la mémoire. Et voilà les petites récompenses. Bon, voilà, c'était vraiment un petit truc sympathique, histoire de faire un petit peu de gameplay ensemble, surtout avec l'Omega Red. C'était vraiment sympa. Alors, normalement, il y a des boosts pour ça. Bon, je les ai pas utilisés, je sais pas si j'utiliserai vraiment un jour, honnêtement. Vu la difficulté, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, bon, à part pour le fun, pour aller encore beaucoup plus vite. C'est vrai que. J'ai vraiment beaucoup de dés en stock. Hein. C'est pour ça que j'hésite pas à utiliser des dés, je me dis au moins à me simplifier la vie, comme ça je m'emmerde pas. Bah écoutez, voilà. Bah écoutez, c'était avec plaisir ce petit gameplay là. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Encore peut-être pourquoi pas là-dessus, hein, à voir, et ou sinon bah, sur les futurs gameplays qui vont arriver. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao.